C'est fou, il y a plein de métiers qu'on peut inventer. On peut s'inventer une vie. Moi, je vous jure, regardez, dans le genre métier absurde, je vous jure que c'est vrai, il n'y a pas longtemps, je marche, toujours pareil. Un magasin, je vous jure que c'est vrai, il vendait des pièces de monnaie. Le gars, il vend de l'argent. Et c'est un commerce. Et je vous jure, je rentre et je vous jure que c'est vrai, il vendait une pièce de 2 euros, 100 euros. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais monsieur, il y a marqué 2 euros dessus. Il m'a dit, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 euros que ça vaut 2 euros. Et je lui ai dit, mais monsieur, il n'y a pas juste marqué 2 euros. L'objet, c'est 2 euros. L'objet ne sert à rien d'autre à part être échangé contre quelque chose qui vaut 2 euros. Et là, il m'a dit, oui, mais vous comprenez rien, c'est l'offre et la demande. Nanana. Il dit, cette pièce, elle est rare. Il y a beaucoup de gens qui la veulent, donc elle vaut plus cher. Et je lui dis, mais monsieur, je suis tout seul dans le magasin en ce moment. Ils sont où les autres qui la veulent? Et il persévère. Moi, j'ai beaucoup de temps à tuer dans ma vie, d'accord? J'ai récupéré 50 pièces de 2 euros. Je suis revenu. Et je lui ai dit, vous là, qui parle mal depuis le début de la blague. T'as vu comment il parle mal depuis le début de la blague? Il m'énerve. J'ai empilé les 50 pièces de 2 euros et je lui ai dit, vous là, vous êtes en train de me dire que ma pile de 2 euros, elle vaut votre pièce de 2 euros. Et il m'a dit, je sais pas, peut-être vous avez des pièces, elles valent 4, 5 euros. Je lui ai dit, m'embrouille pas toi déjà. J'ai acheté la pièce, mais je pense que je l'ai niqué. Écoute, je pense que je l'ai niqué. J'ai acheté 100 euros et il m'a rendu 2 euros. Donc je pense que je l'ai niqué. Mais des fois, je me dis, peut-être il m'a niqué aussi. Peut-être il m'a niqué. En fait, je sais pas. Est-ce que j'ai acheté une pièce de 2 euros pour 100 euros ou est-ce que j'ai rien acheté pour 98 euros ?